On va continuer avec une dame qui est venue déjà comme public, deux fois à Vivement Poésie, et là aujourd'hui comme invitée, Lucie Poirier. Je dis merci à Roger Michael et à Normand Lebeau qui ont permis de me contacter, qui ont appelé l'urgence ou bien avoir lu un petit message, Vivement Poésie. Lucie était venue la première fois, était assise là dans le coin toute seule. Merci d'être là. Avec sa maison d'édition Les Mots Blancs, Lucie publie ses poèmes dans les livres objets faits à la main, comme elle le dit. Ses recueils à tirage limité sont manipulés pour en découvrir la poésie. Elle a obtenu des prix de poésie, dont le prix de la plus belle lettre d'amour, et deux fois le prix coup de cœur d'impératif français. Elle publie ses poèmes aussi sur divers sites. J'ai visité le site Norja. .net, N-O-R-J-A.net, présenter plusieurs spectacles de poésie, de chansons et de chorégraphie. Ouais. Tu es prête, Lucie? Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Lucie Poirier. Alors, comme il vous le mentionnait, je suis Lucie Poirier et j'aimerais d'abord vous remercier de votre présence, de votre attention à la poésie. Et merci Fulgence de permettre à la poésie de vivre à travers un événement qui s'appelle avec justesse Vivement Poésie. La beauté des mots, l'aura de la peau, l'amour, belle rose. Dans la nature, quand pousse une plante toxique, à proximité pousse la plante antidote. La beauté des La beauté des mots, mon écriture poétique, mon idéal d'amour, antidote au mensonge, à la violence, à la haine. La, 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 la. Déjà, mon père m'a dit: si on pouvait voir la beauté de l'esprit, il n'y aurait plus jamais de guerre. L'amour, l'amour, pour proposer un antidote à la guerre, voici mon poème pour la paix. Comment sensibiliser une conscience pour qu'elle abolisse à jamais toute volonté guerrière? Comment réunir les mentalités
dans un mouvement rayonnant, une vague vivifiante, un déploiement bienveillant. Comment éviter le pire dans l'intention et constater le meilleur dans la persévérance? Comment prouver qu'il y a plus de mérite à entretenir un accord que de gloire à amplifier un conflit? Comment obtenir des mots, des idées, des accomplissements et non des armes, des viols, des tueries? Comment atteindre une altitude vertigineuse dans la mansuétude envers tout ce qui vit? Comment changer les combattants en guérisseurs, les militaires en bienfaiteurs, les politiciens en pacificateurs? Comment nous réunir, nous parler, nous concerter pour remplacer l'argument financier, la violence jouissive, l'égoïsme absolu par un apaisement essentiel à la survie, à l'avenir, à l'amour? Elle ne peut être décidée, faite, maintenue que par nous qui en avons la responsabilité. Alors, dites-moi, comment être en paix? En terminant, souhait d'harmonie. Naît, vit et grandit l'idéal tenace de la paix dans les cœurs et dans les glaces, pour que le mirage de l'amour espéré sur la planète soit enfin actualisé. Pour nous, j'entrevois encore, à côté des cendres, un trésor, celui du rêve éperdu de contemplation, devant l'entente entre les êtres et les nations. Pour nous, je pense à une lumière inconnue ou retrouvée, répandu dans l'univers. Je pense à nous dans la pâleur du jour. Je pense à nous dans l'or de l'amour.